Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Dead Space 3 live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Es-tu prêt, mon turbo? Calice. Le petit piton B, c'est vrai, ça remplit. Tiens, car. Le piton B, ça remplit l'énergie, c'est ça que je viens de prendre. Mirage. Comment je fais pour rire? Comme ça. Ça, ça pue.
Je sais pas où ça sortait, ça. J'ai lancé mon affaire avant, Steve. Quelle saloperie! Là-bas, ça, oui, hein. On l'a eu. Il va revenir. C'est rapide, ça. Attention. Armure lourde, standard. Armature. Pas grand chose pour me remplir. Yeah, that's right.
Je sais pas ce qu'ils fabriquent avec nos camions, mais ils dépassent largement les limites. J'en ai ma claque de réparer des suspensions et des moteurs. C'est à vos gardes de se calmer un peu. Ok, au fait, la nourriture, on crève la dalle ici. On crève la dalle, putain. Là, il y en avait comme trop, on dirait. Ok. Aussi. Que tu voudrais qu'on vous laisse en privé. Qu'est-ce que tu as signé? Eh bien, tu as l'air un petit peu trop contente de le revoir. On a besoin de lui. C'est pour la mission qu'il est là. T'es sûr que c'est pas plutôt pour toi? Hey, vous avez quelque chose à me dire, capitaine? Stop! Ça suffit. Il faut qu'on arrête cette machine et on sait même pas où elle est pour l'instant.
En fait, si. Disons qu'il y a peut-être un moyen. J'ai un peu étudié les observations des chercheurs et... Je croyais qu'ils avaient tout détruit. Les micro-données, oui. Mais les notes manuscrites font état d'une expérience de détection du signal qui aurait localisé la machine. En refaisant l'expérience, on peut la trouver. Mais... c'est à l'autre bout du complexe. Très bien. Allons voir ça. J'aurais bien un peu d'air. C'est un trou du cul, c'est ça? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, Turbo? Vous voulez un verre, Serrano? Non, merci. J'ai un faible pour le cognac. Un peu cliché, mais quelle merveille avec un bon cigare. Vous vouliez me parler? Je vais être franc, professeur. Vous me saoulez, vous et votre air, votre charabia et votre façon de bosser. C'est l'amiral Adix. C'est plus l'amiral Graves qui commande, c'est moi. S'il vous faut des hommes pour faire fondre ces cubes de glace géants, c'est à moi que vous le dites. Et à moi le seul. Oui, bien sûr. Je me fiche des relations que vous avez. Vous jouez un jeu dangereux, professeur. Mais ici, vous suivez mes règles. Bon. Ok. T'es viré, son ami? Nice. Kit de soins. Qu'est-ce qu'on sait qui... Ok, c'est pas la même chose, je comprends. Les gènes, maniez vos cul. Ne restez pas là. Tout le monde d'abord, sauf moi. Comment Tannic a réussi à nous trouver? Allez, courez, vite! Eddie, vite! On se retrouvera au dépôt!
Ils ont dû nous suivre. C'est impossible. Pas aussi vite. Ah ouais? Bah ils l'ont fait. Ellie, tu peux aller jusqu'au dépôt? Oh mon Dieu. Les voilà. Ellie! J'ai un piton qu'il fallait pas, tabarnak. Mon cul, oui. Ils poursuivent Isaac et on se retrouve entre leurs tirs. Là, l'entrepôt. L'expérience de traçage doit être à l'intérieur. Vous nous causez bien trop d'ennuis, Clark. Pas assiste. Pas assez non plus. Éventuellement, faudrait que je me ferais un nouveau gun, mais. Pas pressé. Allez, on y va!
Jack. Ah ouais, les deux. Je vais écrire ça. Que nous creusions, il y a des... Ils sont là piégés dans la glace, Ranaudy. Ranaudy, pense à autre chose. Chaque fois que j'ai lu ça, ça donnait jamais d'informations. Peu importe ce que je lisais, ça donnait jamais d'informations intéressantes de toute façon. Stuff de cachet là.
C'était moins l'autre bord. Votre carte. T'es un tabarnak, toi. Un petit peu. Donne-moi 15 secondes, 30 secondes, je reviens.
les monstres ont des guns. Ouais, c'est tout ça un petit peu là. Évacuation.
Baloo, what's up? Erreur fatale détectée. Extinction de tous les systèmes. Ok, Ellie. On se dirige vers l'autre monde. Est-ce que tout va bien? Bien sûr. Entre cette planète qui veut notre peau et ton mec qui me déteste, je crois qu'on peut parler d'un voyage Robert réussi. Robert est pas toujours comme ça. Je sais pas pourquoi... Laisse-nous régler ça, d'accord? En vrai gentleman, à l'ancienne. T'as trouvé l'expérience? Oui. Et? Il faut que tu vois ça. Super. Lambda Luke, Lambda Luke, what's up? On a de la vie en masse, des balles pas pires. On a vu comment ça pouvait disparaître vite de la vie. Hein. On avait en masse tantôt aussi, puis. Une belle quantité, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Rien de bon, si vous voulez mon avis. Magnifique, n'est-ce pas? Les chercheurs l'appelaient le Nexus. Selon eux, les plus gros spécimens canalisaient le signal de la machine et le diffusaient aux plus petits. Ça va nous aider? Oui. Je pense qu'ils ont dû trouver la machine en remontant à la source, grâce au point névralgique de la créature. Attendez. On est censé entrer là-dedans? Oui. C'est vraiment une chance incroyable. Une chance incroyable. N'est-ce pas ça? Comment on entre? Ils utilisaient un circuit thermique. Je vais tenter de l'allumer. Non, ça donne rien. Il doit y avoir une chaufferie sur le toit. Je vais essayer de la trouver et de la remettre en marche. Isaac, sois prudent, d'accord? Ouais, n'allez pas vous blesser. Ne me faites pas de mal! Oh non, c'est un raid amical! On va déjà coucher? Journal perso, docteur. Merci pour le host, mon cher chum. Le projet Nexus est vraiment incroyable.
Nous avons trouvé deux spécimens intacts et les équipes travaillent jour et nuit pour les déterrer. Nous apprenons tant sur la façon dont les nécromorphes communiquent. Toute l'espèce semble connectée par un signal télépathique, de la fourmi travailleuse au plus grand spécimen. Tanné de jouer, ben voyons là. Peut bien venir ce signal, c'est ce que je compte découvrir. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu un film? Je suis proche, mais je suis pas encore là. Hey, j'ai trois tenues. Faut-tu bien change? Peut-être que je change. On va vérifier. Tu vas continuer de jouer seulement en live, je pense. Arrête dedans. As-tu fini Mario? Fini Mario. Ah, ici, j'avais pas vu ça. À 40 de temps pour passer au temps. Attends, ouais, c'est vite. Mais là, il fait frette, je me demande s'il faut. Je suis pas bien fier, mettant les deux d'avant, j'ai mis 2 heures. Oh, oh, oh. Okay, je commence à voir, à croire que j'aurais peut-être pas dû changer d'habit. Hey, vas-tu tirer, tabarnak?
Oui, si j'aurais fret, il l'indiquerait, là. Je viens de trouver le générateur. Bon, j'ai plus qu'à y accéder. Bien reçu. Captain and Bill, bienvenue mon ami, j'espère que vous allez bien les boys. Tu? Yes, sir! Ça donne. Je pense que je l'ai pas eu, on dirait qu'il a juste disparu. Ah, ça, je croyais d'abord, non? Non, cette fois-là, faut que je vois. Mais j'ai quand même envie d'essayer, Carlis. Carlis, c'était pas bien dedans. Captain Bill, la légende. L'homme qui a vu l'ours, qui a vu la banane. Oh chier. Ah, c'est là que je fais pour rentrer dedans. T'arrêtes de faire... Oh! Non, descends de niveau. C'est une boîte déjà utilisée.
Il m'a dit faire le tour, j'aurais passé par en bas. En tout cas. Isaac, est-ce que tout va bien? Eh, merci de supporter Robert. Il n'est pas vraiment lui-même. Ah, Norton ne m'aime pas beaucoup pour fuck plusieurs Robert. Raisons. Mais vous avez besoin de moi, je suis là pour ça. Ça et... En fait, je pensais c'est que toi et moi... C'est Isaac? Bien, bravo. J'espère que je ne dérange pas. Ah, il appelait seulement pour me parler de la chaufferie. Il vient de terminer. Isaac, on se voit plus tard. Vous êtes jaloux? Moi, dans la vie, je suis assez un gars frileux, c'est sûr que j'aurais gardé Yel d'hiver. Oh, Isaac, le circuit thermique est alimenté, mais le spécimen ne dégèle pas. Le mécanisme est bloqué? Ouais, c'est à cause du givre. Je dois pouvoir arranger ça en réglant la pression dans les tuyaux. J'y vais. Peut-être pas un save. On arrête cela, mon turbo! Encore une seulement? Pas de stress! Donc c'était tout pour l'aventure de Dead Space 3 live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!